Madame la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, monsieur le médiateur de la République, monsieur le président de la Commission électorale nationale autonome, monsieur le maire de la ville de Porto Novo, vous êtes l'Assemblée nationale et c'est donc votre honneur d'être les représentants de sa souveraineté conquise au prix de durs sacrifices. C'est à vous qu'il revient d'exprimer la volonté de la nation béninoise. Votre tout premier acte, après les séances remarquablement conduites par notre doyenne d'âge, Madame Rosine Diarra-Soglo, à qui je rends hommage pour son endurance et sa détermination. Votre tout premier acte, disais-je, a été de me porter à la présidence de notre institution, présidence où se sont illustrées des personnalités prestigieuses d'une très grande qualité. Je veux nommer mon prédécesseur direct, le président Mathurin Koufinakou, le président Bruno Amoussou, le président Antoine Idi Kolaolé, sans oublier, je suis prétentieux, notre cher et regretté Monseigneur Isidore de Soudan.